Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du mercredi 14 octobre pour le système Fulking Centique sur le Dow Jones. Alors, qu'est-ce qui se passait ici avant? Donc, on avait un setup de divergence baissier qui a été validé, qui a donné son objectif 1. Le niveau pour l'invalider, c'est les 805. Donc, on ne prend pas d'alerte à la hausse tant que le setup ici n'est pas invalidé. Donc 805, donc ici on pouvait entrer en position à la baisse puisqu'on est dans le sens du setup de divergence. On a ici 14-15 points lorsque l'on part à la hausse ici ou là on est dehors. Donc maximum moins 30 points sur ce trade là. Ensuite, là on a passé les 805, donc on n'est plus sous la priorité baissière du setup de divergence précédent. Donc ici on doit regarder la tendance précédente. La tendance précédente c'est quoi? C'est neutre. Donc on ne prend pas de trade suivant les alertes King TT. Un setup de divergence ici en haut. La ligne de tendance, c'est celle-là. Le break, c'est celui-là. Vous avez ici l'objectif de setup 1 à 45 points. L'objectif de setup 2 ici à plus ou moins 100 points. À partir de là, on attend 15 chandeliers pour rappel pour que la priorité du setup de divergence baissier disparaisse. Ensuite, ici donc on a une alerte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, donc ici, hop, voilà, vous avez la belle ligne de tendance. Celle-ci, vous avez le break là, vous validez ici. La divergence à la hausse, vous ne faites pas stopper sur vos 60 à 65 points. Hop, on remonte, on va rechercher l'objectif 1 direct, 35 points. Vous aviez un deuxième setup ici de divergence. La ligne de tendance était plutôt celle-ci, vous voyez, hein, vous avez le contact ici avec ce sommet-là, 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 hop, le break se faisait ici. Vous pouviez éventuellement prendre un renfort, l'objectif du setup 1 était ici à plus ou moins 40 points. On allait rechercher à chaque fois l'objectif du setup 2. Donc vous aviez 90 points et 100 points. On ne prend pas de position à la vente, de toute façon il n'y en a pas validé. On a passé les 15 chandeliers, donc on n'a plus de priorité. On regarde les prochains setups. Prochain setup, prochain setup, prochain setup. Ça c'est dans la zone grisée. Prochain setup, hop, ici, alerte King TT en zone de range long terme. On pouvait prendre, puisqu'on était dans la zone basse ici de l'enveloppe, et on se fait laté. Ou pas. Personnellement, j'aurais coupé avant. J'aurais certainement coupé ici. Mais vous voyez que si vous aviez laissé, bah, vous pouviez sortir neutre un peu plus tard. Alors là, j'ai une petite position en cours que je vais vous montrer. Hop. Un achat sur le setup de range court terme ici. Hop, que je travaille comme une divergence. Donc voilà, vous avez l'indicateur ici des setups de range court terme, des alertes. Donc voilà, parfois vous avez l'indicateur des divergences qui va pas être actif tout simplement. Et pour moi, ça c'est déjà un très bon niveau pour au moins me mettre à BE et laisser courir ce setup si il reste actif.
Hop là. Peut-être juste baisser un peu mon TP parce que la bande opposée de l'enveloppe s'est réduite. Donc voilà. Donc pour celui-ci, on était donc à moins 30. Pardon. Si vous preniez le renfort ici. Vous pouviez, hop, là, bah, voilà, c'était plus ou moins 40 points. Si, le souci quand vous avez plusieurs alertes comme ça et que vous décidez de sortir, si vous sortez celle-là, bah, vous sortez celle-là aussi. Si vous en sortez aucune des deux, bah, vous restez avec les deux dedans et vous avez vos TP. Donc ça, c'est un peu à vous de voir. Moi, comme j'ai décidé de sortir la première, je sors la deuxième aussi, tout simplement. Parce que en plus, vous pouvez aussi travailler hein, pour les alertes du King TT. Vous voyez que vous avez votre ligne de tendance ici. Vous n'avez pas forcément de cassure franche de cette ligne de tendance qui chapeaute les cours ou de la MM15. Vous pouvez travailler de la même façon que pour un setup de divergence. Donc, vous voyez, vous avez vraiment la ligne de tendance qui font leur job, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors, ensuite, est-ce que nous avons un setup de divergence ici? Non, pas du tout. On n'est plus en zone de range long terme, donc on ne peut plus prendre cet achat, malheureusement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une alerte à la vente. On n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente. Je pensais avoir oublié de lancer l'enregistrement. On est plutôt neutre, hein, donc c'est dangereux, on ne prend pas. Et je vais prendre mes bénéfices sur l'autre position. Plus 45 points, ça me suffit. Ici, on n'est pas en zone de range long terme. On regarde la tendance précédente, elle est neutre. Voire peut-être commence à être légèrement baissière, mais c'est pas terrible. Donc on ne prend pas. Pas de setup de divergence. On est quelle heure? Ok. Ici, on est en zone de range long terme. Donc là, on pouvait entrer en position. On fait 17 points. Là, on s'en va. Voilà, le setup de King TT. Ils ont du mal. Ce mercredi. Là, on pouvait entrer en position ici aussi. Hop, 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 hop. Au pire, si on est vraiment patient, on est là, mais c'est long. C'est long. C'est long. Ensuite, celui-ci, ben, on n'est plus en zone de range court terme, donc là, on s'est déjà fait avoir deux fois avant, donc c'est que la tendance n'est pas super haussière non plus. Pas de setup de divergence aussi validé, puisque vous avez votre ligne de tendance, je pense à cela, ligne de tendance qui est là. Au pire, vous en aviez une pour le premier qui était ici, donc celle-là aurait pu être validé, pardon. Vous sortiez ici au même endroit. Donc vous étiez à moins 45. Ouh, c'est la plus mauvaise série en 10 mois, dis donc. Hop, 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 hop. Il n'y a rien. Donc là, il y a toujours le setup de divergence, même s'il est visuel. Ici. Vous avez la ligne de tendance qui devient celle-là en fait. Vous avez la validation qui est là, ici, sur ce gros chandelier. Mais vous êtes sorti à BE. Encore un setup King TT qui va foirer, décidément. C'est pas la journée. J'ai rarement eu ce genre de choses. Moins 40. Dommage. Ici, donc il y avait le setup de divergence qui était prioritaire. Donc quand il y a le setup de divergence, pour rappel, on ne considère pas les alertes de King TT qui sont données en même temps. Donc là, vous aviez la prise de position possible ici, presque, hop, stoppé,
ABE, très certainement, puisque vous étiez à plus de 50 points. Hop là. Un nouveau setup de divergence qui va être validé ici. On va rechercher l'objectif 1 ici à 40 points. Plus ou moins, pas de setup 2 puisqu'on se fait reprendre à BE. On a un nouveau setup. On n'a pas de setup de divergence ici, mais on a le King TT en zone de range long terme. On prend position ici et on va rechercher nos 25 points. Donc zone de range long terme, alerte King TT vendeuse dans la zone basse. Pour rappel, ça fait partie des règles. On ne prend pas. Ensuite, zone de range long terme, et décidément, 16 points, c'est limite pour prendre BE, moins 30. Setup de divergence haussier, là on voit clairement la ligne de tendance ici, le break qui se fait là. Hop là. Plus ou moins 55 points ici sur l'objectif du setup 1 et 115 points sur l'objectif du setup 2. Quelle heure est-il? 21h30. Donc là, hop, on attend 15 chandeliers. On n'est pas en zone de range long terme. La tendance est neutre maintenant, donc on ne prend pas. Pas de setup de divergence, il me semble que si. Alors là, on est à 49, 11, 18, 51, 10 et même plus court. Non, plus court, il n'y a pas, il fallait la rechercher un peu plus loin. Setup de divergence visuelle, validation ici, 21h17. On va rechercher l'objectif du setup 1 et l'objectif ici du setup 2. Donc ça fait 35 et 95 points. Et voilà qui clôture la séance de mercredi. Alors, on a moins 30, plus 45, plus 35, plus 40, moins 30, moins 10, moins 30, moins 40, moins 45, moins 40, plus 40, plus 25, moins 30, plus 65, plus 35. Ouh, tout juste. C'était bien pourri quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gagnants, et attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perdants. Je crois que c'est un des plus gros runs perdants. C'est pas un des plus gros, c'est le plus gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il y en a une BE entre deux, mais 6 perdantes d'affilée, c'est le record. On était à 4. Alors, moins 30, plus 100, plus 90, plus 100, moins 30, moins 10, moins 30, moins 40, moins 45, moins 40, plus 40, plus 25, moins 30, plus 115, plus 95. 310 quand même pour le setup 2. Et on est la même chose dans les stats 7, 8, 2. Pourquoi 0% de perdant? Non, je crois pas. Ah ouais, je me disais aussi. Ah, on va corriger ça, hein. Qu'est-ce qu'il me fait?
Ouais, je vous mettre la vidéo sur pause parce que si. Voilà, c'est réparé. Ici on passe au-dessus des 15% pour une première fois. Donc merci la mauvaise série. Ici tout simplement. Donc voilà, donc 30 points pour l'objectif setup 1, 310 pour l'objectif setup 2. Voici qui termine le débriefing de la session de mercredi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.